bien salut à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pas comme les autres, parce que aujourd'hui c'est une vidéo concernant le social. Est-ce que ça se dit concernant le social? C'est une vidéo dans le thème social. C'est une vidéo. Allez les gars, venez. Nous sommes aujourd'hui avec Gallo, représentant de S-Movement, c'est ça? Ça fait énormément plaisir que tu sois ici pour cette cause incroyable que tu vas nous décrire tout de suite. Donc c'est une initiative portée par Fares Salvatore, que vous connaissez déjà. Par S-Movement. Ouais, par voilà, exactement. En partenariat. En fait, ils sont trop humbles. Là, vous allez avoir trop de gens humbles, donc ça va s'envoyer la balle. Passe à Younes, il parle mieux fois. C'est le directeur marketing de Venom, il a l'habitude. Venez, monsieur le directeur marketing, venez ici dans le plan. Comment tu vas, avec Younes, le plus beau des beaux gosses, ça fait super plaisir. Nous sommes ici avec une personne qui refuse des partenariats avec des personnes qui font des millions et des millions de vues. Donc je me suis dit, mais cette personne qui refuse ça, mais qui est cette personne? Il faut que je la rencontre. Je l'ai rencontrée. Mais dis-moi, ce qui m'intéresse, c'est le social. Je m'en fous de tout ce qui est argent, popularité, on n'a pas besoin de ça chez nous. Je suis pas mal. Du coup, on est ici, à Lyon, à Vaulx-en-Velin. Donc un parigo ici, Gallo, à Vaulx-en-Velin, avec Younes, directeur de quoi? Venom Monde. Non, parce que toi, c'est haut. Mais c'est du monde entier, lui. Ouais, monde. Donc en gros, Dana White, il sait pas que c'est cet arabe qui gère tout ça. Il sait. Donc nous sommes ici, pourquoi? Dis-nous tout, présente-nous ce magnifique petit projet. On est là à l'initiative de Fares Salvatore, que vous connaissez les amis, du coup, et qui voulait faire plaisir aux jeunes habitants de sa ville et aux pratiquants de sport de combat, de leur donner un petit peu de motivation. Donc du coup il a ramené S-Mouvement, il a ramené Venom pour contribuer à une action sociale et donner pas mal de force à une salle de boxe qu'on va voir juste après. Et cette salle de boxe, elle est à qui? Elle est à monsieur Mada qui est ici présent, que vous connaissez tous. Nous sommes avec Mada ici présent, que vous voyez énormément dans mes vidéos, qui contribue énormément à la jeunesse. Malheureusement t'as pas forcément énormément d'aide dans ce que tu fais par rapport à l'ampleur que ça prend. Ah, j'en ai pas du tout. Il y en a même pas du tout, il y a beaucoup de portes qui se ferment. Mais malgré ça, il ne baisse pas les bras et il aide énormément de jeunes. C'est... Si je peux me permettre. Oui, tu peux te permettre, il n'y a pas de souci. Avant de faire chaque action sociale, on se renseigne sur les personnes avec qui on les fait. Okay. Lorsqu'on s'est renseigné sur lui, des très 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 bons avis. Un acteur local qui fait vraiment les choses, qui fait vraiment bouger les lignes. Et si tu as remarqué, ça allait grave vite, c'était grave organisé. Ouais, c'était sans fait que de l'autre côté, que ça bougeait grave. Ouais, ça voulait en gros. Exactement. Donc ouais, exactement. Félicitations à lui pour son engagement et pour tout ce qu'il fait pour les jeunes, pour la ville. Mais Mada, en tout cas, moi, je voulais te remercier et te remercier à travers ce geste, parce que tout ce que tu fais chaque jour, c'est vrai que toi, tu cherches pas forcément l'argent, la reconnaissance ou autre. Et on voit des gens, des enfants de qui il s'est occupé quand il était tout petit. Et aujourd'hui, en étant grand, il lui accorde de la reconnaissance en disant, franchement, Mada, ce que tu nous as accordé en termes de valeur quand on était petit, aujourd'hui, ça vaut tout l'or du monde. Et pour lui, c'est ça son salaire. Exact. Et je trouve ça beau. Exact. Est-ce que tu as un mot à dire pour tout c'est ça, vrai, Mada? Après, je disais, j'ai pas eu d'aide. On va dire que j'ai plus eu du soutien, plus que de l'aide financière, enfin, qui aurait pu nous propulser et nous aider un peu plus à vivre le projet plus sereinement. Mais comme l'a dit Fares, il le dit très très bien, et je salue aussi sa lucidité d'esprit, parce que du haut de son jeune âge, il comprend des choses incroyables que moi j'ai compris à passer la trentaine. Donc moi je le salue pour ça, c'est un truc de fou, il comprend des choses. Et effectivement, c'est vrai que moi je fais ce travail là surtout pour aider la jeunesse et contribuer, parce qu'on aspire, nous en tant que grands du quartier, à un meilleur lendemain. On veut vivre dans un meilleur quartier, et voilà, en fait si on les aide pas les jeunes, en fait ça va être compliqué pour notre propre vie. Exactement. Donc voilà, on fait ça pour ça, on leur fait faire un petit peu de sport, on les fait sortir un petit peu du quartier. En allant voir ailleurs ce qui se passe, ils comprennent d'où ils viennent. En restant dans le ghetto, dans le quartier, ils s'entraident à la bêtise, et c'est pas ça qu'on veut. Tellement, et c'est pour cela qu'on te remercie. Et j'ai envie de faire cette magnifique transition sur notre Hugo. Hugo, viens ici s'il te plaît, face caméra, qui a énormément travaillé sur ce projet. Voilà, là on pourra pas dire c'est du communautarisme. Il y a Hugo dedans. Il y a Hugo qui a travaillé, s'il te plaît. Je sais qu'il va pas dire oui, j'ai fait ça, j'ai fait ci. Est-ce que tu peux nous vendre ce qu'il a fait dans ce magnifique petit projet? Ouais, du coup, Hugo il a été investi sur tous les projets avec S-Mouvement, donc que ce soit Amour et Sport, sur les rénovations de salles, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il prend son temps libre sur le week-end, où il n'est pas forcément rémunéré, on a la poche. Il n'est pas forcément rémunéré. Il s'engage vraiment sur ces projets-là. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'Hugo, c'est un de mes top project managers, c'est un peu mon bras droit en termes de marketing. Et aujourd'hui, c'est lui qui a tenu à assister à tous ces projets sociaux, parce que c'est des choses qui lui plaisent et qui touchent directement au cœur. Donc voilà, Hugo s'est engagé, met sa pierre à l'édifice et contribue à fond pour la réussite de chacun des événements. Donc, t'aimes Hugo. Moi aussi je vous aime. T'aimes Hugo. Hugo, est-ce que t'as un mot à dire pour ben, je voulais dire, enfin, dans le sens que, de ce que Gallo disait, que franchement, travailler avec Mada, ça a été un énorme plaisir. J'ai rarement vu quelqu'un d'aussi investi là-dessus, et ça m'a fait vraiment chaud au cœur. Et j'ai hâte de découvrir la salle comme elle est et de ce bel événement. Ouais, moi aussi. Bah, merci à toi, Hugo, pour tout ton travail. Merci à vous. Merci, Younes. Merci, Mada. Merci, Gallo.
Inch'Allah, la conversion dans pas très longtemps. Elle arrivait là. Nous sommes avec Elias en direct, qui est dans l'ombre. Mais excusez-moi, monsieur représentant de S Movement, il est payé pour être ici ou prendre son temps libre? En gros, il prend son temps libre. Bénévole. Engagement social. Je t'aime, mon frère. Tu sais, il travaille avec nous depuis qu'il a quel âge? Depuis quel âge? Depuis 15 ans. C'est la plus jeune recrue de chez... Et là, t'as quel âge? 20 ans. Et tu sais, c'est quoi qui est beau? C'est les valeurs que tu lui as inculquées. Aujourd'hui, il n'a pas de problème à venir prendre de son temps pendant un week-end pour travailler. Est-ce que t'as un mot à dire pour cette jeunesse incroyable? Merci Fares, merci Mata, merci Younes, merci Gallo, merci Hugo pour tout ce que vous faites. Et tu te remercies pas, toi, pour le travail que tu fais, toi? Moi, j'ai pas fait grand-chose, on va dire. Ah, oh, il est humble, les gars, il est humble. Toi, tu te trouves comment en acting? Mais je suis trop fort, vas-y, dis-moi deux jeux de scène là. Vas-y, je joue une scène. Vas-y, bah dis-moi un thème. Bah vas-y, un mec qui est en train de se radicaliser. Un thème qui est en train de se radicaliser. Qui est en train de se radicaliser. Ok. C'est Hugo, viens, on va prier. Hugo, je vais pas me répéter. Radicalisation là, moi. Parle de la radicalité là. Les gars, juste pour vous expliquer le programme de la journée, en fait, que vous le sachiez, de 16h à 18h, en fait, on a mis en place des stands d'animation, box, babyfoot, PlayStation, bon, des animations, et en face, on a mis des stands éducatifs. Okay. C'est des partenaires avec qui je travaille moi toute l'année pour aider les gamins à se structurer. Sur l'espace box, on a un entraînement de boxe thaï de 16h à 17h, un entraînement de boxe de MMA de 17h à 18h. 18h, on prendra le temps de faire le discours officiel, donc vous prendrez à chacun votre tour la parole. Le temps qu'on termine le discours, je pense 18h20, 18h30, on commence les démonstrations de sport de combat. On a plein de gamins. On a une dizaine de combats à peu près qui vont se dérouler. Et puis voilà, donc là on rentre, il y a déjà pas mal de monde, il y a tous les jeunes du club en fait qui sont venus. Donc on rentre, je vous fais visiter un petit peu la salle. Et on découvre et après, la rénovation que t'as faite. Exactement. Et vous passez à quel moment la distribution des kits avec les La enfants? Distribution des kits, on la fera à la fin, ouais. Quand les gamins ils auront boxé. Okay. Chaque boxeur aura un kit, okay. Un kit complet, parce qu'ils ont eu le courage, ouais, de monter sur le ring. Et les autres, on les donnera au coach pour qu'il les distribue à l'appréciation du coach. Parce que sinon, si on distribue à des gamins qui n'ont pas boxé ou qui n'ont pas fait quelque chose de particulier, ça va être compliqué, ça va frustrer d'autres gamins. Et on a attribué quelques kits à Fares, il va défier les gamins en fait sur les différents jeux qu'on a mis, au coup de poing, au baby foot, machin. Il se fera son petit kit. Si vous me battez là, et ça va être son libre arbitre en fait d'offrir un t-shirt. Okay, c'est bon, okay. Allez, on y va, les gars. Bon. Et merci à eux. Le ticket n'avait pas ça. Salam alaikum, comment allez-vous? Ça a ramené des gâteaux avec des chips, des bonbons. Bravo, Younes, les gâteaux, bravo. La machine, elle bug pas, hein. Ok. Là, je suis pas un score, mais 5 à la tempête. Je vous suis, mais quel nombre de corps et remporte de l'heure du championnat. C'est bon pour toi, Benham, madame? C'est bon? Déjà, moi, je suis mieux fort. Je vais continuer le score. Ça va partir en prise. Ah, allez, vas-y, Fares. Attends, attends, il a 2713, c'est mon temps de qui, là. Ok. Ça monte, 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 ça monte. Oulala! C'est combien le record? Il est à 2713, le nouveau record, il est à 2736. Kylian, t'as été battu par Fares, Kylian. Non, t'as l'air, je vais pas validé, les gars. Pour l'instant, t'as été battu par Fares. Attends, Younes. Ok, oh, frappe bien sur la Younes. Moi, j'ai le record de Fares. Le record qui est à 2736. Est-ce qu'on va le pas? Ouais, après voilà, y'a rien. On a pas battu le record. Y'a rien, les gars. Gallo. Tu peux te présenter? Gallo. Donc vas-y, mets-moi la technique. Ah, la technique, faut taper au milieu. Une bonne rotation. Crochet. Un bon crochet. Crochet au milieu. Allez, Gallo. Votre record de Fares, ce record est à 0. Un seul essai. C'est one shot. On laisse sa place. Ok, Gallo. Voilà la patate de fourrage. Tu penses t'as fait combien? J'ai m'attrapé. Semi. Oh, t'es là? Pas loin. Pas loin. Hugo, on est là. Ah, Hugo. Hugo. Allez. Attends. Ouais, frérot. Elle est pas mal. C'est une bonne patate, Hugo. Bon. Ah, attends, ça monte. Comment ça
comment ça, attends, ça monte. Ah, respectez-moi, frère. On n'est pas loin. Je suis obligé d'essayer. On n'est pas loin. Allez, Mada. Allez, Mada. Ah, il est couché. Ah, je suis couché. Ouh. Ah, hamdoulay, le frérot. Ça monte, ça monte, ça monte aussi, ça monte. Yes! Y'a pas de match chez moi quand même! Déjà moi je fais mieux. Le nouveau record est à 2740! Ok! Détenu par Mada, 2740! Allez, je vais essayer de mettre en temps! Après, j'appelle Abdelhaki Kylian à venir. Trop fort! Nouveau record à 2740! Merci! Abdelhaki! Oh, on aurait pu faire un événement que ça. Allez, maintenant, patate. Marchez, marchez. C'est pas mal, ça. Marchez, celle-là. Si tu perds, Kylian, t'es sur YouTube, hein. Ah, dommage, l'important c'est de participer. Bah les gars, vu que ça va durer longtemps, je vais faire sur les autres trucs, moi. Ah, c'est rien, c'est rien, frérot, c'est rien. Ah, c'est rien, c'est rien. J'ai fait une dernière après. Vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y, Gallo. Vas-y, Gallo. La pression, je porte pas la pression. Tu penses à combien? Viens en avance, viens en avance. Non, je pense pas, je sais pas, j'ai pas l'habitude. Oh, j'en mets un peu. T'as fait combien tout à l'heure? Je sais pas. Ah, t'as fait mieux là. Ouais, les gars, on va approcher le micro pour avoir notre t-shirt. Je vais gagner mon record. Et n'oubliez pas, pour ceux qui n'arrivent pas, l'important c'est de participer, les gars. Quoi, t'as pas le permis là? Tu fais quoi là? Ah, je crois qu'il y a une forme de main. Bien sûr. Je vais juste conduire à la wagon et je vais juste montrer le talent. Alors moi je dis, je fais un méchant score et celui qui me gagne, c'est plus. Moi je passe comment ça par là-bas. C'est la même voiture, c'est une M6 là. Ok, ça va. Le record est toujours pas débattu, hein. Oh, ça bouge plus là. On vous attend nombreux. Faut mettre la ceinture de sécurité là. Bah là t'es en sécurité. Ah là je suis en sécurité, les gars. Allez, frère, fallait prévenir, ça nous vient pas. Laisse, laisse, attends vite fait, juste prends la main. Oh, ça passe évitation tout seul. Plus où le circuit? Non, non, non. Où est-ce qu'on dit, je roule alors que. Ça fait ça, mec. Oh, monte dans la loque, monte, monte. Ça roule bizarrement, ma voiture, regarde. Pas devant face. Oh, mais y'a un problème, frère. Ouais, tu sais pas gérer, on va. Max, regarde, elle fonctionne. Elle a un problème, la voiture, frère. Là, elle roule très fort, c'est quoi ce truc-là? Fares, c'est ta grande faire un score en voiture. 5 personnes qui battront Fares au simulateur de voiture. Gagneront un t-shirt de l'homme aussi. J'y vais combien? L'association avance à vos ambitions. C'est trop dur. On va laisser les jeunes de l'association. Qui a gagné le record? Et c'est pas vrai. Vas-y, montre-moi le record que t'as fait. Ah ouais. Ah, Hamdoulay, le frérot. Ah, 2754, c'est bon. Ah, c'est pas moi. Ah, on a fait pareil, mais... Ah, ok. Ah, vite fait, attends, recule. Faites pas les jaloux. Laissez-moi mon espace. Ah, je vais battre mon record. Le plus important, ça, c'est parti. Je m'en fous, c'est moi qui ai le record, les gars. Ouais, c'est bon, c'est bon. Ok, la combat d'enfants, les gars. Allez, les gars. Allez, bon gars, oh là là. Oh là là, les crochets. C'est ça, quoi, ce qui se passe. Yep. C'est bon, là là. Allez, c'est bon, là là. Allez, je vais mettre dans de vraies conditions. Allez. Ah, ça sent bon, hein. Les gars, si vous voulez envoyer vos enfants. Ah, si vous voulez envoyer vos enfants, vous m'appelez, on les fait se combattre. Il faut un peu trop les agiter à la maison, les hyperactifs. Vous les ramenez sur le ring, les gars. Prêt, chop, on y va, les garçons.
Ouh là là, le crochet. Ouh là là. Crochet, crochet. C'est incroyable ce qui se passe. Yes. Jump. Allez. Allez. Vas-y. You. Décision pour ces jeunes d'un coin en pouce. Oh, beau gosse. Bien joué. T'as trop bien combattu. Ouais, je suis sur YouTube, t'as un mot à dire à YouTube. Abonnez-vous, comment tu t'appelles? Liam, tu vas devenir un grand boxeur, je crois en toi. Bien joué, je t'aime. Bien joué mon beau gosse. Bien joué, un petit mot pour la caméra. Est-ce que t'as aimé ton combat? Bah, t'as très bien combattu. Bah, je t'aime. Dis bientôt, vous verrez, je serai le champion du monde. Voilà les gars, on a affaire aux champions du monde ici les gars. Toutes les personnes qui ont fait le déplacement. Les influenceurs sont avec toi, qu'est-ce qui t'arrive? Voilà. Voilà. Ça. C'est incroyable. Combat d'enfants. Imaginez ça. Sûr, c'est incroyable. Je te dis quoi? Ça va être quoi le thème de la vidéo de YouTube aujourd'hui? Je vais pas vous dire les gars, il va y avoir des combats d'enfants. Je vous laisse découvrir, c'est des surprises. Ah, ça, c'est du jamais vu sur YouTube, combat d'enfants. J'ai jamais vu sur YouTube les gars. Organisation, événement, combat d'enfants. Donc là les gars, on fait d'abord les enfants. Et après il va y avoir les grands qui vont combattre. Vous allez là. J'ai hâte. J'aime organiser ce type d'événement. Très incroyable. Il y a de tout. Vous voyez, c'est ce que je froisse à ma salle. Que des tartes. Je les bloque comme ça, tartes. Oui. Ça va, mets les passes. T'as de la chance, j'ai pas envie de faire la chaîne devant tout le monde. Vas-y là, j'ai hâte au prochain combat là. J'attends là. Je vous demande de bien vouloir voir un tonnerre d'applaudissements s'il vous plaît pour accueillir Gallo, Younes et Fares ce matin, s'il vous plaît, sur le ring. Ça m'a fait énormément plaisir que vous soyez tous et toutes là. Nous avons décidé de faire cet événement ici à Lyon parce que ça me tenait énormément à cœur. Étant donné que je suis exposé sur les réseaux sociaux, j'ai pas mal de propositions pour faire ce type d'événement, mais ça m'enquiquinait le fait de le faire qu'à Paris. Parce que je me disais, c'est vrai que voilà, je suis là, je participe à la bonne cause et tout ça, mais je viens d'une ville, qu'est-ce que je peux faire pour cette magnifique petite ville? Du coup, on s'est dit, d'accord, bah, ce qu'on est en train de faire à Paris, en fait, on peut le délocaliser et le faire aussi à Lyon, parce que le besoin qu'on a dans des quartiers ou dans des zones rurales, c'est le même besoin de partout en France. Et du coup, je me suis mobilisé avec Gallo, représentant de S-Mouvement ici présent, Younes, représentant mondial de Venom. Vous voyez, quand il y a Dana White, si il gagne, c'est avec lui qu'il voit directement. Donc ils ont fait le déplacement ici avant là. Ça m'a fait énormément plaisir. Faut savoir qu'ici on a des personnes à côté de nous qui ont refusé énormément de propositions avec des gens qui ont des millions et des millions d'abonnés, des millions et des millions d'euros. Mais pourtant aujourd'hui, ils sont là pour la bonne cause, avant en vain. Ça nous fait énormément plaisir d'être là. Comme l'a dit et bien souligné Fares, aujourd'hui la France, c'est pas que l'île de France, c'est pas que Paris. C'est aussi le bassin aujourd'hui ici à Lyon, c'est aussi les zones rurales, c'est aussi le sud, etc. C'est important d'accompagner cette jeunesse et c'est pas juste des mots, faut pas juste le dire sur des discours sur Instagram pour faire des likes. Faut être sur le terrain, faut être dans le concret, faut œuvrer et faut surtout être solidaire ensemble pour créer des synergies. Donc ça me fait énormément plaisir. Merci à Younes aussi à qui je vais passer la parole de toujours répondre présent dans ces initiatives. Heureusement qu'on a des gens chez nous qui peuvent aussi faire bouger les lignes de l'intérieur. Heureusement qu'on a des acteurs associatifs qui font bouger les lignes depuis plusieurs années et qui sont vraiment réellement engagés. Heureusement aussi qu'on a des créateurs de contenu qui pensent réellement aux gens. Donc merci à tout le monde et je vais passer la parole à Younes. Ah, du coup, nous on est hyper contents, frère. On est hyper contents de sortir de l'Île-de-France, de faire des actions comme ça à travers la France. Nous, le réel engagement qu'on a, en fait, c'est vraiment créer des vocations. Vous aussi, vous êtes les prochains transmetteurs. Et nous, ce qu'on attend de vous tous ici, c'est d'ailleurs, vous arriviez à diffuser la bonne parole, à
prêchez les gens autour de vous qu'il y a des actions à réaliser, qu'il nous faut une forme de solidarité, une forme d'union pour pouvoir s'en sortir. On sort parce qu'on ne veut pas voir le quartier délabré ou terminé dans de mauvaises conditions. Donc ici, on a tous le même intérêt, c'est de faire en sorte que la jeunesse puisse sourire, que la jeunesse puisse s'épanouir, puisse se développer. Si c'est à travers le sport tel qu'on est en train de le faire ici, c'est magnifique. Et je souhaite que demain, à travers cette salle, on puisse retrouver des potentiels futurs champions et surtout des gens qui auront trouvé une vraie ambition et une vraie vocation de vie. Comprenez que les sacs de frappe qui sont accrochés, qui sont estampillés Venom, tout le visuel et tout ça, c'est grâce à eux trois, c'est grâce à cette collaboration-là. C'est eux qui nous ont offert tous ces équipements-là pour le bonheur des gamins qui pratiquent ici de la boxe thaï et du MMA. D'accord ? Donc je vous demande encore une dernière fois de les applaudir s'il vous plaît. M-Sport, c'est une salle de sport, mais pas que. C'est pas que une salle de sport. C'est aussi un lieu d'échange, un lieu de partage, un lieu de rencontre, un lieu où on apprend des choses. C'est au travers du sport qu'on transmet des valeurs éducatives. Ces valeurs éducatives-là, elles feront de vous les personnes de demain. Donc c'est super important que vous appreniez des choses ici. Je tiens à remercier aussi tous les prestataires et partenaires qui sont venus aujourd'hui. Moi, je peux que remercier les gens qui accompagnent le projet M-Sport. C'est aussi grâce à vous, plus qu'à moi, tout ce qui se fait autour de la salle. Et bref, tous les gamins de Grenoble, merci à vous. Voilà, tout. Rapidement, petit peu, en fait. On a parlé des investissements, des équipements et autres. En fait, au-delà de ça, c'est un investissement en temps. Madame investit son temps tous les jours pour la jeunesse du quartier ici. Et moi, j'ai un membre de mon équipe qui est ici, c'est Hugo. Hugo, il est en relation avec Madame tous les jours au téléphone pour organiser cet événement, pour faire en sorte que tout soit propre pour pouvoir vous accueillir. Donc merci à mon équipe, merci à Hugo, merci à Madel, merci à tous les bénévoles. Et merci à Madel aussi, merci à Madel. Merci à toi, Madame, t'es très humble dans ce que tu fais, tu t'investis dans la jeunesse, t'as pas besoin de penser à un bénéfice financier, tu fais ça vraiment pour ton développement personnel, pour pas qu'ils grandissent dans un quartier qui boule la merde, on va dire les mots, et tu fais en sorte que tout se développe et que tu grandisses dans de bonnes conditions. Donc pour Madame, je voudrais rappeler un applaudissement sur le cœur. Merci Jaurès. Merci Jaurès, parce que c'est lui qui fait le lien pour cet événement, s'il vous plaît. Un dernier tonnerre d'applaudissement pour Farès, s'il vous plaît. Je présente Adel Messaoudi, jeune boxeur, il a un combat en plus de combat, semaine prochaine à Sampon contre un Thaïlandais. Donc Adel sera le speaker de la soirée. Donc je peux dire officiellement que le combat de boxe va débuter dans quelques minutes. Donc je laisse la main à Adel Messaoudi pour vous animer cette soirée. Merci à tous. Vive les combats d'enfants! Vive les combats d'enfants! Alors les choses sérieuses vont commencer maintenant, car c'est jeune maintenant à tous. Donc messieurs, vous allez vous battre en règle de la boxe thaï, pas de trou derrière la nuque, pas de trou dans le dos. S'il y en a un des deux qui se retourne, bien sûr pas de coup, pas de trou dans les parties, pas de trou au sol. D'accord ? Le screening matrice sera interdit. Pas de recherche de puissance pour vous messieurs, est-ce que vous êtes d'accord ? Si vous êtes d'accord avec cela, je vais vous demander de vous checker les points et de repartir dans vos points. Allez les gars ! Allez les gars ! On a le droit au coup de genou, au coup de coude. On garde ! Choc ! Début de la première reprise. Je mets pas les gars. Allez Enzo. Allez Enzo, tu m'as fait sur le reste. Deux techniciens pour moi ce soir. Voilà, Allez en croix. Allez, c'est parti.
kick. Oui, 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 oui. Voilà. Seulement le D, le Jax, et c'est pas Diego Maradona, c'est Diego le boxeur en fait, thaïlandais mon pote. Bakbo au camp pour la décision. Décision. C'est le hasard ce soir. Oulala, oulala,
la mise là. Des vrais boxeurs, ça. C'est ce qu'on aime, ça. Ali, c'est toi, Mohamed Ali? Ok, d'accord. Ok, Mohamed Ali. Bien joué. C'est magnifique, je t'aime. Encore un combat d'enfants. Décidément, ça n'en finit pas ce soir. Là, ils ont 9 ans. Tout à l'heure, c'était 6 ans. 9 ans et 10 ans, là. Vous allez voir comment ça va s'envoyer. Lève-toi, vas-y. C'est bien.
Un petit sourire pour la caméra. Est-ce qu'il va taper? 5, 4, 3, 2, 1, 2. On les applaudit s'il vous plaît. Bravo, très beau combat, très beau combat. Bravo, excellent. Wow! La chaîne est pas là, c'est toujours! C'est pas là, dit!
tout prix. Oh non. Allez, Zach, allez. Sors. Zach, prends le dos. Sors. Allez, Zach, sors. Voilà la haine. Allez. Il n'est pas dans la guillotine. Attention à la guillotine. Il n'est plus dans la guillotine. Bien, on se trouve à la rue de la Gaillère.
un sacré speaker, les gars. J'ai ça dans le sang. Écoute là, et ça te dit quoi là? Speaker, speaker. Il y a Lilou qui rentre à la maison, merci Lilou pour ta venue. Voilà, merci bien de l'accueil chez moi, ce fut sympa. Merci à toi Lilou, merci. Bienvenue chez toi Lilou. Les gars, Lilou, si vous voulez. S'il vous plaît, tous les combattants de la soirée, s'il vous plaît, sur le ring avec vos coachs. Junior, vas-y, venez. Venez, bande de mouilles. Venez, bande de mouilles. Ça, c'est la boxe anglaise. Alors les gars, comme César disait, que César en fait on lui ramenait des grappes. Je sais pas ce qu'il disait, mais moi ce que je vous dis c'est quoi? Regardez ce buffet incroyable. Ici ce que vous avez, c'est un buffet exquis. Préparé par qui? Bien. Arrête, Eugène. C'est préparé par sa femme. En fait, il est amoureux d'une femme, il s'est marié avec elle. Et du coup, bah là, elle a préparé le buffet. Et bon, donc voilà, c'est délicieux. Je vais prendre un burger au poivre. C'était délicieux. Ah, ça, j'ai pas mangé. Faites goûter pour voir si c'est bon, monsieur. Ok, ça, je peux le prendre pour chez moi, pour les habits d'où après. Similaire. Tu peux être intransigeant, s'il te plaît. Tu sais que j'aime beaucoup lui. Attends. C'est celui que je t'ai dit. Attends. J'attends, frère. Attends, t'as mal au genou. C'est pas bon les crevettes pour le genou. Ah, il a pas dit le médecin, c'est pas bon les crevettes pour le genou. Ah merde, j'ai l'âne. Excusez-nous, d'accord, ta femme elle a préparé à manger. Ah ouais, le def, regarde le def. Là, j'ai l'âne, comment t'as fait? Regarde le def, il a cassé une bouteille. Mais comment t'as fait ça? Il a cassé par le trou. Wesh, comment t'as fait? Écoute, Ilyes, tu poses ça, t'as trop travaillé, va manger. C'est pas ce que je dirais à mon interne. Hein, prends ce que tu veux, hein, détends-toi. T'avais la caméra toute la journée. Attends, mais... Ah bah il peut pas. Comment je pourrais pas là à cette heure-ci tenir une caméra et tout? Pour rien au monde là je tiendrais une caméra pour filmer un mec avec une grosse moustache. Ah oui, la conclusion de cette vidéo. Eh bien écoutez, n'hésitez pas à... Ah j'ai jamais dit mais de liker, enfin, je vais jamais le dire encore. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Je vous fais de gros bisous. Nous, on a passé un agréable moment. J'espère que ces moments seront inspirants pour vous. Sachez que dans la vie, il n'y a pas que l'argent. Si vous avez des principes et des valeurs, vous pouvez les associer à vos projets futurs. Et ça donne des choses vraiment incroyables et des rencontres incroyables que vous n'oublierez jamais. Et même lorsque vous allez mourir plus tard, on pensera à vous. On dira, cette personne, c'était une bonne personne. Pour le coup, là, je suis toujours vivant, je suis en train de manger une salade. J'ai envie que la vidéo se finisse comme ça. Voilà. T'as faim ? Non, c'est bon, j'ai mangé. Allez, c'est bon, caméraman, tu peux aller manger.